Donc bah super, j'ai un colis contre un roublard. C'est vrai qu'on peut plus voir le niveau. Donc là, voilà, je vais faire prêt et je vais pas bouger la souris. Attends, je vais vous discuter un petit peu et vous allez voir que je vais pas gagner d'XP à la fin de ce combat. C'est parti, je fais prêt. C'est au tour du roublard. Donc il commence. Moi, là, je ne joue pas. Je touche surtout à aucun bouton. Il faut que je touche à aucun bouton. Le problème, c'est que là, il joue en premier. Donc ça m'arrange pas. Bon, c'est pas très grave. On va essayer de se rattraper. Il lance ses petites bombes. Et là, à mon tour, je ne vais pas jouer. Voilà, donc ça va faire chier tout le monde. Mais bon, c'est la technique usuelle pour pas gagner d'XP. C'est-à-dire que je perds 2 tours de jeu, donc je vais me faire complètement violer, encore j'ai une chance de gagner, et je ne gagnerai pas d'expérience pour ce combat. Bon, Rose, j'ai fait n'importe quoi en fait, j'ai bougé un petit peu ma souris, donc l'astuce est complètement foirée. Donc bah c'est pas grave, on va jouer normalement en fait, que voulez-vous, je crois que j'ai pas trop le choix. Donc jouer normalement, on va tout simplement bloquer notre adversaire comme on peut, en se planquant. Voilà, donc je suis un peu déçu, hein. Je voulais vous montrer cette technique, bon c'est pas grave, je vais gagner de l'XP. On va dire que c'est pour la vidéo, je vais m'en mettre. Ouais, il est là, je l'ai poussé et j'ai bloqué les endroits pour passer. Donc ça c'est ultra important. Sachant qu'au tour d'avant, il a claqué son entourloupe, j'ai quand même regardé le combat. Et en fait, là il peut juste plus passer, normalement il peut pas me toucher. Il a aucune ligne de vue sur moi et sa tente à bombe est infectée. Donc là, s'il est malin, il va aller taper ma folle. Et voire même la buter. Mais il n'est pas malin, donc il me rush sur la gueule. J'ai oublié de faire une petite présentation, il est niveau 77 quand même. Niveau 77 et 630 d'agis, c'est plutôt sympa. Bon là, il fait quoi? Il bloque. Il m'a sûrement rush. Je pense qu'il m'a rush. On va taper ça tout de suite avec une arme. En effet, il m'a rush. Rien de très surprenant. Et là, ce qu'on va faire, on va faire un tour full bourrin. Full bourrin, pourquoi? Parce que je vais me débarrasser impérativement de sa bombe. Voilà, j'avais bien de faire ça. Voilà, je retire quand même un PA, donc il lui reste 8 PA. Je pense que en jeu full bourrin, je gagne assez facilement. Surtout que là, il va essayer de me bloquer peut-être. Je ne sais pas ce qu'il essaye de faire. Bon, quoi qu'il en soit, on va être plus malin que lui. C'est-à-dire qu'on va poser un arbre tout de suite ici. Voilà, évidemment, l'arbre était important. Comme ça, il ne peut pas mettre de temps à bombe et me foutre 2 en mur. Et ensuite, on va directement taper le roublard. Donc comme la bombe est infectée, en plus on se régène en tapant le roublard, plus la gonflable, qui va nous mettre bien, et on est à son corps à corps. Donc on gagne les 15 de bouclier de Dofus Cacao, et on se retrouve full life. Et là tout simplement, à tous les tours, il va perdre 1 à 2 PA, sa grosse bombe est infectée, va mourir au prochain tour, lui-même est infecté. Il n'a pas de moyen de tuer la folle, et j'ai mis cet arbre juste ici pour l'empêcher de poser une torne à bombe, et me faire d'énormes dégâts. Donc là on est plutôt bien, je vous cache pas. Il est un peu dans la merde, il aurait pu aimanter cette bombe et aimanter ici, mais voilà, je pense que c'est ce qu'il va essayer de faire. Il va aimanter. Ouais, sauf qu'il peut pas aimanter sa bombe, hein, donc voilà. Donc il est obligé de faire un petit truc de merde comme ça. C'est pas ouf. On va pas se le cacher, c'est pas ouf. Il aurait pu mieux faire. Donc là, on va tout de suite. Je sais pas ce que je fais. Je pense que je vais quand même essayer de le buter. Je vais essayer de le buter. J'ai essayé de buter cette bombe, évidemment, j'ai pas trop le choix. Et ensuite, on va essayer de jouer malin en mettant un arbre ici. Je sais pas si ça le tue. Ça ne le tue pas. Ok, c'est plutôt cool, hyper console PM. On va mettre un arbre ici. Voilà, donc il va prendre des dégâts, mais il va pas mourir au tour d'après, ça c'est important. C'est un peu risqué ce que je fais, hein, mais ouais, en gros, le principe, ça a été de le bloquer ici. Ah! Ok, pas de chance. Je pensais qu'il me restait un PM. Donc il ne me reste pas un PM. Donc là c'est pas cool. C'est pas cool du tout parce qu'en fait le but c'était après de le bloquer avec le Groot. Et sauf que le Groot a perdu 2 fois des PM dans l'arbre. Donc ça m'arrange pas du tout. Donc là il va pouvoir mettre une bombe. Bon, la tâche c'est que peu importe la bombe qu'il met, voilà, je vais pouvoir tout infecter. Là normalement si tu tues pas mon arbre, j'infecte absolument tout. Et je vais avoir le temps de tanker. Normalement, j'aurai le temps de tanker 2 tours, le temps de absolument tout buter. Hein. On va pas se le cacher. Voilà, il y a tout qui grandit. Et là, hop, poison de proximité. On a absolument tout infecté. Et là, vous allez voir, grosse régène. Et je tape toutes les bombes. Voilà, je me résonne du 303. Je tape tout. Tout, tout, tout. Là, je vais prendre assez cher. Mais je suis au corps à corps de mes arbres. Donc, gros soin, du 300 de soin. Et finalement, en fait, je suis pas si mal que ça. Hein. Il lui reste 1070 HP, moi 2000 HP. J'ai pas proc l'argenté scintillant. Et au prochain tour, si tout se passe bien, je devrais tuer toutes ces bombes. J'espère. J'espère, j'espère.
Oui, même si je tue pas toutes ces bombes, je devrais en tuer au moins deux. Deux, c'est sûr. Celle-ci, je ne suis pas certain, mais au moins deux bombes. Et lui peut pas me buter. Là, l'arbre qui est enraciné, en fait, l'empêche de faire aimantation. Donc c'est un petit peu bourrin hein, comme mode de jeu. Mais ça devrait passer largement là. Parce que vous allez voir que à mon tour de jeu. Voilà, je prends du 423. Hein, ça tape quand même assez fort. Mais à mon tour de jeu, on va tout simplement tout régène. Hop là, on tue ça. Et ensuite je peux faire deux sacrifices poupesques. Voyez. Et là, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que j'ai pu faire le sacrifice poupesque et sur la bombe et sur Roublard. Ça a absolument tout buté. Et là, je le bloque. Et là, bah. Là, c'est perdu pour lui. Hein. La gonflable. Boum. Elle me soigne à nouveau du 260. Et là, bah, il reste 590 HP. Il n'a plus de bombe. Et j'ai perdu 200 HP sur tout le combat. C'est complètement fumé. Là, vous avez l'exemple un petit peu canonique de pourquoi le Sadida est complètement fumé contre le Roublard avec l'état infecté. Là, je me prends pas la tête. Voilà. Juste avec gonflable flob, folle. C'est complètement fumé. C'est-à-dire le Roublard ne peut rien faire en fait parce que. Ah, il avait un Dofus argenté quand même. Ne serait-ce que poser des bombes, en fait, l'handicap lui-même, vous voyez, là, il pose des bombes, le problème c'est que la Tornabombe bombe elle est infectée. Donc en fait ça m'arrange parce que à mon tour je vais pouvoir balancer en sacrifice poupesque et sur la bombe et sur le Sadida. Donc finalement en fait ça m'arrange qu'il ait posé cette bombe. Vous voyez, il a plus de vie en fait. Il a plus de vie du tout. Et je me demande même si c'est pas le kill. J'essaie de faire un truc qui n'est pas du tout Charlie, mais faut pas négliger l'Edo-Pou. Ah non, ça ne tue pas. Ça ne tue pas. Mais l'Edo-Pou de l'arbre qui repousse de 5 cases. Donc normalement il y a des Edo-Pou quand même. Assez conséquent. Bon, pas de chance, ça ne tue pas. Mais faut pas l'oublier, hein, si vous êtes à cross de map et que vous cherchez en kill. Les Edo-Pou des fois peuvent vous sauver. Bon, ça sera pas le cas ici, mais 42 HP, je pense qu'on peut dire que j'ai largement gagné. Donc GG à lui, même s'il fait une explosion, il ne me tuera pas. Voilà, mon dernier souffle, etc. Je ne suis pas mort, il va se suicider. Et on se retrouve tout de suite pour un deuxième Coliseum. Donc c'est pas grave, je vais gagner d'XP. Mais là, normalement, si j'avais bien fait les choses, je n'aurais pas pris d'XP. Je n'aurais pas pris d'XP. Mais là, j'en prends. Parce que j'ai bougé la souris comme un abruti. On se retrouve tout de suite pour un nouveau combat de Coliseum. Et heureux, donc j'ai trouvé en combat. Donc niveau 89, Xelor 89. Donc quand même, ouf, gros challenge là. Xelor agit en plus. 10-6. Ça va pas être évident. Je vais jouer sérieusement, voilà. Tant pis pour l'XP, on va dire que c'est exceptionnel pour la vidéo. Je m'en remettrai. On va pas rigoler. Je pense que je vais quand même rush pour poser folle, gonflable. Et on va péter les lignes de vue. On va péter les lignes de vue. On va péter les lignes de vue. Je sais pas trop comment faire ça. Je veux à tout prix qu'il ne me tacle pas en fait. Mais je vais aussi poser en arbre. On va poser en arbre ici, voilà, ça a l'air d'être assez sympa. La gonflable, non, la folle, je veux dire, va avancer pour foutre l'état sur les deux et reculer. Voilà, elle s'est planquée, c'est nickel. Moi j'ai posé ma gonflable qui m'a boosté en 2 PM. La folle a infecté bien tout ce qu'il faut. Donc normalement, au prochain tour, on est bien. Bon, ITP, ok, il va partir sur du rush bourrin. Je ne connais pas ses dégâts, je sais pas si j'ai une chance de gagner. Contre ça, ou putain, s'il pète la gonflable, ça ne va pas m'amuser. Il me fout dans l'état téléfrag. Flétrissement, il tape du 200 en flétrissement. Ok. 200 en flétrissement, 200 en flétrissement. Est-ce que je peux faire des trucs de sympa? Je sais pas trop. Bon, pour l'instant, il n'y a rien qui est infecté. On va quand même faire poison de proximité, comme ça on est sûr que tout le monde sera infecté. Et on va taper, on se régène. Voilà, on va commencer à taper. On va commencer à taper. Ma gonflable va me soigner. Donc là, je suis full life ou presque. La folle, ce serait cool qu'elle finisse de tout infecter. Voilà, elle a infecté la synchro. Voilà. Donc là, tout est infecté grâce à la folle. Il va sûrement reposer en complice. Ce serait pas étonnant. Ou alors, il va essayer de tuer la folle, je ne sais pas. Non, non, il recale son placement. Mais s'il fait ça, il va perdre. Hein. Je ne sais pas ce qu'il essaye de faire. Bon, ça continue comme ça, le combat risque de pas être très intéressant, il risque d'être plié assez rapidement, moi qui vous ai promis du PVP et TBL intéressant. J'ai l'air un peu con là. Contre-fuite, ok, bah. Moi je m'en fous un petit peu, c'est-à-dire que bah, je me régène et j'essaie de tuer sa synchro. Et on va le kick PM, moins 2 PM. Moins 2 PM, c'est pas ouf. Bon, je suis full taclé, mais
dire, ça me dérange pas trop, les Jammy de Life, quoi. C'est pour l'instant, c'est un no-match qui est proposé. Hein. Je sais pas s'il va me faire un truc sympa à la synchro, peut-être des gros dégâts. En tout cas, c'est le moment de l'activer parce que au prochain tour, la synchro est complètement mort. Il est en Dococo, il est en Dococo, ça m'arrange pas. C'est vrai qu'il est niveau 89, il a accès au Dococo. Bon, au prochain tour, la synchro est morte s'il fait rien. Bon, sacrifice Poupesse des familles. En tout cas, pour l'instant, il reste 3 PA, peut-être un petit flétrissement. Même pas. Il essaie d'augmenter sa synchro, mais ça sert à rien. Voilà, t'as pas fait de téléfrag, la synchro elle est pas soignée. Donc ta synchro, elle est morte. Voilà. Il l'a cherché, j'ai envie de dire. La bloqueuse, je me souviens plus du nombre de tacles de la bloqueuse. Après, ça sert un petit peu à rien de tacler en Xelor. Là, j'ai l'impression que je me prends un peu la tête pour rien, que c'est en no match. Donc on va finir ça rapidement. S'il continue à jouer comme ça, il va se faire ouvrir en deux. Hein. Très clairement, j'ai perdu 300 HP, lui et Jammy de Life. Il a activé son Dococo. Surtout s'il continue à poser des complices comme ça, bah, la folle les infecte. Donc ça l'oblige soit à reposer un complice tous les tours, soit moi ça me fait du free regen. Voilà, c'est comme là. La synchro extrêmement mal positionnée, hein, parce que juste à côté de l'arbre, donc je peux l'infecter. Heures de soins pour 2 PA. On va pas s'en plaindre, on va foutre l'arbre ici en plein milieu, comme ça je pourrais tout infecter. Au cas où tue la folle, ce qu'il n'a toujours pas fait, hein. On se met d'accord. La synchro est pas boostée, il repère 2 PA de la folle, il lui reste donc seulement 8 PA. 382 HP, je n'ai pas proc le Dofus argenté, bon là c'est gagné. Hein. Il m'a fait un petit coup de frayeur avec sa synchro, puis son Dofus argenté, mais c'est gagné. Ouais, donc je vais conclure maintenant, comme ça sera fait. Ouais, bon là, normalement, les combats sont plus intéressants que ça. Je suis désolé, je ne choisis pas les combats. Arrête de me kick PA, putain! Insupportable, c'est insupportable! Surtout que ça permet de me régène. Bref. Donc, normalement, les combats sont plus intéressants que ça. Et vraiment, le PvP BL est beaucoup plus équilibré. Parce que certes, oui, il y a une question de gens qui sont opti ou pas opti. Mais vous pouvez vous optimiser très facilement pour pas cher. Là, mon stuff, au total, il m'a coûté moins de 15 millions de kama. Moins de 15 millions de kama, et vous voyez que mon stuff est complètement fumé. Voilà, on peut pas faire mieux à ce niveau-là. On peut pas faire mieux. C'est impossible. J'ai 8% de... est-ce que j'ai perdu? Est-ce que j'ai fait le malin depuis tout à l'heure? Mais en fait, j'ai perdu. C'est possible que oui. Absolument pas. Donc je proc le Dofus argenté. Vous allez pouvoir voir le Dofus argenté. 406. Très sympathique. Bon, bah, GG à lui. C'était sympathique et j'ai perdu jusqu'au bout en fait. C'était plutôt serré. Dofus argenté qui a carry. Et ça se joue à pas grand chose. Est-ce qu'il y a moyen de le tuer de manière ridicule? C'est quand même beaucoup plus drôle de le tuer de manière ridicule. Une petite ronce multiple. C'est risqué, ronce multiple. Bon, on va tuer une larme. Bon, ronce multiple tuée, mais la larme. On va la respecter. Voilà, donc c'est gagné. C'était plutôt serré quand même.